Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre rendez-vous éclairage, une rencontre qui a lieu une nouvelle fois en public et que vous pouvez également voir et revoir sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université. Éclairage, vous le savez si vous nous suivez régulièrement, c'est une rencontre, un espace de discussion entre les chercheurs et chercheuses de Sorbonne Université et d'ailleurs, autour de leurs travaux, de la façon dont ces derniers nous aident à mieux comprendre le monde et à imaginer ce qu'on fait souvent et toujours avec plaisir dans ces rencontres, à quoi ce monde justement pourrait bien ressembler demain. Hélas, personne ici n'a de la capacité de lire l'avenir, enfin je crois pas, j'ai pas vérifié, mais par contre la capacité de se projeter et d'imaginer à partir des changements d'aujourd'hui ceux de demain, ça oui, a priori, nous l'avons. Des changements qui, pour ce qui nous intéresse ce soir, concernent un domaine tout à fait spécifique de notre vie à toutes et tous, qui est l'alimentation. Et comme sur pas mal d'aspects de nos existences, cette dernière a connu de larges bouleversements ces deux dernières années, que ce soit lors des confinements où nous avons toutes et tous appris à faire du pain, que ce soit avec la guerre en Ukraine qui fait peser des menaces de pénurie sur pas mal d'aliments, ou les enjeux climatiques de plus en plus pressants qui nous poussent à réévaluer le coût écologique de ce que nous mangeons. Tous ces changements, ils participent à dessiner les contours de nos assiettes du futur, un futur qu'on va tenter d'éclairer avec nos quatre invités, qui sont ici avec moi. Gabriel Alperne, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de l'hybridation, qui est un concept sur lequel on aura l'occasion de revenir. Vous avez travaillé dans plusieurs ministères comme conseillère à la prospective. Vous avez également co-dirigé un incubateur de start-up. Et parmi les ouvrages que vous avez signés, on peut en citer deux. D'abord, cette bande dessinée qui est parue en février dernier chez Human Science, qui est notre partenaire, co-signée avec Didier Pétetin et baptisée La fable du centaure. Et puis, il y a un autre petit livre passionnant qui s'appelle Philosopher et cuisiner, un mélange exquis, un dialogue entre vous et le chef Guillaume Gomez, qui est paru il y a quelques mois aux éditions de l'Aube. À côté de vous, Gilles Fumet, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe de l'alimentation, attention, c'est important, professeur à la Sorbonne Université au laboratoire CIRIS CNRS. Vous avez notamment signé ces ouvrages, alors attention, je vais essayer de ne pas tout faire tomber comme d'habitude. Celui-ci qui s'appelle « Manger local, manger global », c'est paru en 2020 aux éditions CNRS. Et avec l'historien Jean-Pierre Williott, vous avez co-signé dans la légendaire collection « Que sais-je ?», que tous les étudiants connaissent, j'espère, cette histoire de l'alimentation qui est parue, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière. À vos côtés, Christophe Lavelle, bonsoir. Merci également d'être avec nous. Vous êtes biophysicien et épigénéticien au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez signé entre autres ce livre « Molécules, la science dans l'assiette ». On aura l'occasion d'y revenir. C'est paru aux éditions Les Ateliers d'Argol l'an dernier. Et vous avez co-dirigé avec Marie Merlin ce petit dictionnaire curieux de l'alimentation qui s'appelle « Je mange, donc je suis ». Là aussi, on est en plein dans le thème de la discussion de ce soir. C'est paru en 2020 aux éditions du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Morgane Rey, qui est chef. Bonsoir Morgane, qui est donc l'autrice de ce superbe menu auquel on a le droit ce soir. Je précise que vous aussi, vous avez signé plusieurs ouvrages, notamment des livres de cuisine, notamment qui s'appelle « Ma cuisine, zéro déchet, zéro budget, tous les conseils et 60 recettes faciles ». Vous avez co-signé avec Camille Ratia et c'est sorti chez Rustica Édition. Alors, j'ai une question d'ouverture qui est extrêmement vaste, qui s'adresse à toutes et tous. C'est tellement quotidien, le fait de manger, qu'on pourrait penser que c'est anodin. Or, on sait toutes et tous que ça ne l'est pas. Pourquoi est-ce que c'est si important, au-delà, évidemment, des nécessités physiologiques ? Gabriel Alperne. Pour moi, la question de l'alimentation est une véritable question philosophique qui pose la question du rapport au corps, à son corps, le rapport à l'autre, le rapport à la nature, à la terre, à l'animal, le rapport à la famille aussi. Enfin, je pense qu'à travers le repas, on sait si une famille va bien ou pas, est-ce qu'on se parle ou pas. Donc, c'est vraiment une véritable question philosophique. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a toujours interpellée de Nietzsche qui dit « Tous les préjugés viennent des intestins ». Bon, je pense qu'on pourrait faire une dissertation pendant des heures là-dessus. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la cuisine. C'est un miroir de la société. Enfin, la cuisine, l'alimentation, on précisera. Mais en tout cas, c'est un miroir de la société, de ses angoisses, de ses fantasmes, de ses angles morts, de ses préjugés. Et donc, il y a là un véritable objet philosophique à construire. Et puis, bon, moi, c'est ma casquette philosophe. Mais justement, ce que je trouve intéressant, et c'est tout le sens de mon ouvrage avec Guillaume Gomez, je pense qu'il y a beaucoup de liens justement entre un cuisinier et un philosophe. Parce que finalement, un chef crée des ponts entre des saveurs, entre des ingrédients, entre des cultures, entre des mondes. Et c'est une sorte de chimie
entre toutes ces choses-là. Et le philosophe, lui, crée des ponts entre des idées, entre des concepts, entre des mondes, lui aussi. Alors, c'est pas de la chimie, mais c'est de l'alchimie. Et je pense que le philosophe, comme le cuisinier, sont des métisseurs, voilà, des hybrideurs. Alors, je reviendrai sur le terme d'hybridation plus tard. En tout cas, je pense que leur mission, c'est justement voilà, de créer des ponts entre des mondes. Christophe, sur la chimie, je vous ai vu réagir, forcément. Bon, c'est juste le mot, c'est un réflexe. C'est un réflexe conditionné. Pourquoi est-ce que c'est aussi crucial, la cuisine, l'alimentation dans nos vies ? C'est crucial parce que, comme vous l'avez mentionné, c'est un acte obligé du quotidien, d'un point de vue purement physiologique. Et à partir du moment où on a cette espèce de contrainte, qui en est une, c'est fascinant de dire à quel point on peut transformer éventuellement, avec un peu de chance et un peu de savoir-faire, cette contrainte en une opportunité de quelque chose d'un peu plus réjouissant, voire même du plaisir, grande notion qu'on pourrait discuter philosophiquement aussi. Et on voit bien le côté un peu vertigineux de la chose, parce que la cuisine, enfin l'alimentation et donc la cuisine, parce que aujourd'hui, depuis aujourd'hui et depuis 500 000 ans, nous ne mangeons quasiment plus que ce qui passe par la cuisine. On ne mange plus les aliments tels qu'on les accroche, on les attrape directement dans la nature. Il y a une étape de transformation quasi systématique. Et ça veut dire que pour appliquer cette transformation, il y a des tas de questions qui vont se poser. Aujourd'hui, on va se poser des questions de comment faire tout simplement. Que cuisiner, quoi cuisiner, comment le cuisiner. Et on voit bien toutes les injonctions qui nous arrivent, des injonctions de santé, des injonctions environnementales, des injonctions éthiques, etc. Et tout ça, ça fait une espèce de tourbillon qui fait que dès qu'on s'intéresse à l'alimentation, on se rend compte du côté totalement vertigineux de la chose et voit à l'extrême aller vers une espèce de tétanisation. Mais en fait, on peut plus rien manger, on peut plus rien consommer. Ça, j'ai pas droit parce que de l'environnement. Ça, j'ai pas droit parce que ça me donne le cancer. Et c'est assez fascinant finalement de voir à quel point on se pose ces questions-là en permanence. Enfin, on se pose quand on décide de se les poser. On peut aussi ne pas se poser de questions. C'est une autre démarche. C'est une autre démarche, effectivement. Ça fait moins de discussions, éclairages, du coup, quand on n'en pose pas. Gilles Fumet, est-ce que justement ces interrogations, ce sont les mêmes partout, ou est-ce qu'elles varient en fonction des endroits du monde, des façons de percevoir l'alimentation, ou est-ce qu'il y a une façon commune à l'humanité de percevoir l'alimentation ? Pour le géographe que je suis, en fait, non, je dirais que c'est très variable selon les cultures dans le monde. Bien sûr qu'en Europe, en Chine, on utilise le rapport au territoire, qui fait qu'on nomme la nourriture par le lieu où elle a été, d'où elle vient. C'est pour ça qu'on a des vins de Bourgogne, du bœuf de Kobe. Mais vous avez des pays dans le monde où on n'a pas ce rapport-là. Par exemple, les États-Unis qui ont poussé à l'extrême l'industrialisation de l'alimentation et qui font des produits qui sont territoriaux, voilà, et qui sont nommés par autre chose. Par des références culturelles quand même. Par exemple, mes étudiants sont toujours étonnés de découvrir que les bars Mars, ça renvoie au dieu de la guerre. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que les Romains qu'effectivement, manger une barre de Mars, c'est peut-être se prendre pour un dieu de la guerre, enfin des choses comme ça. Mais là, il n'y a pas de rapport au territoire, donc c'est quand même assez variable. Globalement, on va dire qu'il y a Il y a dans le monde deux grandes régions qui sont, comme par hasard, des grandes régions de cuisine et de gastronomie, qui sont l'ère chinoise et l'ère européenne, pour lesquelles il y a un rapport au territoire parce qu'on a des sociétés paysannes très anciennes qui ont fourni de la nourriture travaillée par la médecine. Donc la médecine a fait le discours savant de l'alimentation paysanne. Et puis, vous avez des sociétés, des régions dans le monde, ailleurs dans le monde qui ne sont pas paysannes, qui sont, par exemple, les États-Unis ou même l'Ukraine ou même la Russie, qui sont des pays qui fournissent des stocks de nourriture, mais qui ne sont pas paysannes à l'échelle industrielle, vous voyez, et qui ne fabriquent pas ce rapport particulier au territoire. Morgane, quand on est chef, quand on a les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, quand on est concrètement attelé à la cuisine, ce côté vertigineux, ce côté multi-question, est-ce qu'on y est confronté ou est-ce que justement le travail concret prend le pas ? Oui, alors
on a les mains dans le cambouis, mais forcément, on se pose quand même des questions, ouais. Heureusement, j'ai envie de dire. Évidemment, c'est quotidien pour nous. Il faut aller vers quelque chose de raisonné, c'est une évidence. Je pense qu'on a, voilà, en tant que chef, si on avance tête baissée en pensant uniquement à ce qu'on fait aujourd'hui, on va droit dans le mur. Est-ce que manger, c'est un acte individuel ou collectif? Parce que dans le sens où certes, chacun mange dans son assiette, a priori, mais l'alimentation, on a commencé à le dire, a une fonction sociale, sociétale très importante. Comment est-ce que les uns les autres vous positionnez par rapport à cette interrogation? C'est Gilles, vous pointez Gilles, Christophe, du doigt. Pas du tout, non? Bon, alors donc, oui, ça va être. On va se passer. Oui, en fait, nous faisons partie des. Enfin, nous sommes dans la nature des animaux sociaux, les humains. Voilà, parce qu'il y en a qui sont. Et parmi les animaux sociaux que nous sommes, il y en a quelques-uns qui sont asociaux, mais ça, c'est plutôt vu comme une pathologie. On va les mettre à part. Donc, globalement, effectivement, on a une approche qui est sociale. D'ailleurs, on apprend à manger, donc en général dans un milieu qui forge un certain nombre de comportements. Voilà, et puis même, alors, ça c'est le biologiste qui dira, des goûts aussi peut-être, hein, qui viennent de la conception. Voilà. Mais il y a une pression sociale qui est quand même très forte et qui a été remplacée avec l'industrialisation, en partie par le marketing, hein, qui fait que donc. Les industries agroalimentaires sont quand même très très puissantes. Hein. Dans le monde, c'est parmi les plus concentrées. Je crois qu'on a calculé qu'en gros, 80% de ce qui est consommé dans le monde en termes alimentaires dépend de cette multinationale. Donc c'est énorme, hein. C'est quand même des chiffres importants. Et donc, c'est pour ces sociétés-là, évidemment, le rapport à l'alimentation, c'est essentiellement financier. Hein. C'est pas du tout. Voilà, donc c'est quelque chose qui est social, et puis après il y a l'individu qui se construit par rapport qui en fonction de ce qu'il a appris, mais aussi de plein d'autres choses qu'on ne connaît pas encore, se fabrique ce qu'il mange. Alors, pour rebondir, et sans faire de l'anthropologie de comptoir, il faut quand même rappeler que l'activité alimentaire a largement forgé les sociétés qui sont les nôtres, d'abord à travers la nécessité de se mettre à plusieurs pour chasser, et puis ensuite, peut-être encore de manière plus flagrante, devant le fait de se rassembler autour du foyer et d'avoir un partage des tâches, non, qui cuisine quoi, comment, et cette espèce de rassemblement qu'on a vraiment au moment de l'acte alimentaire. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui est en partie détruit par l'opportunité qu'on a aujourd'hui, la facilité qu'on a aujourd'hui à manger seul, parce que tout l'acte de production alimentaire repose et est externalisé. Donc, on n'a plus besoin de se mettre ensemble pour chasser ou cuisiner, puisque quelqu'un d'autre le fait pour nous. Le deuxième aspect, je pense, important, c'est justement cette dichotomie entre des caractères qui vont être universels et des caractères qui vont être personnels, par exemple, sur le goût. Il y a des fondamentaux. Partout dans le monde, les 7 milliards d'humains que nous sommes, apprécions le sucre, parce que c'est physiologique. Il n'y a rien de culturel là-dedans, absolument rien. Par contre, la construction fine du goût, effectivement, le fait qu'on va aimer les escargots ou pas, là, on sent bien qu'on est dans un phénomène totalement culturel, voire personnel, selon l'échelle de description, mais il y a un goût qui va se forger à travers les sociétés, et les habitudes qui sont des habitudes purement culturelles, et c'est vraiment la société qui va nous donner des capacités à apprécier ou pas certains aliments. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette frontière toujours intéressante à analyser, que ce soit à l'échelle physiologique ou à l'échelle sociologique, entre finalement qu'est-ce qui vient, qu'on appelle parfois de l'inné, qu'est-ce qui vient de l'acquis, et dans l'alimentation, c'est fondamental. Gabriel ? Oui, et effectivement, et pour prolonger, je dirais que même lorsque l'on prend un repas seul, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, alors il y a quand on dit collectif, il y a ceux avec lesquels on partage un repas, mais ce qui est intéressant, c'est que même quand on est seul, dans la nourriture que l'on mange, il y a de toute façon cette espèce de collectif invisible qui a permis de le créer, de le produire. Il y a un livre qui m'a énormément marqué, qui a été écrit en 1937 par un japonais qui s'appelle Kenzaburo Yoshino,
et qui s'intitule « Et vous, comment vivrez-vous ? » Et il y a une phrase qui, enfin, qui interpelle énormément, parce que ça date de 1937, qui dit « Il est tout de même bizarre que ces hommes qui se sont donné du mal pour construire la maison que tu habites, pour fabriquer les vêtements que tu portes, pour produire la nourriture que tu manges, soient tous de parfaits inconnus. » Ça date de 1937. Et c'est tellement juste aujourd'hui. Il y a une telle chaîne d'intermédiaires dans toute cette chaîne justement alimentaire entre celui qui produit la tomate et puis jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans mon assiette et que je vais cuisiner. Voilà. Et effectivement, on perd de vue cette espèce de collectif invisible qui a permis à ce que effectivement cette tomate puisse voir le jour. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'avec tous les scandales alimentaires, et puis bon, je pense aussi la crise sanitaire a provoqué une prise de conscience dans la question des circuits courts, dans la question de la proximité territoriale. Et donc, c'est intéressant de se dire que on sent petit à petit qu'il y a une forme de tendance de l'être humain, justement, à vouloir reprendre un peu la main. Alors, pas tant aller faire son propre potager, même si on voit de plus en plus de gens qui décident de refaire un petit potager. Voilà. Mais en tout cas, de renouer le fil avec le premier, le producteur, l'agriculteur, voilà, celui qui élève, qui produit. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant, parce que voilà, peut-être qu'un jour, tous ces gens qui ont produit la nourriture que je mange ne seront pas tous de parfaits inconnus. Gilles, vous vouliez ajouter, Gilles ? Non, sur la Gabriel a fait allusion à cette histoire de tomate qui a été racontée dans un film que je vous conseille tous de voir, parce qu'il est sur YouTube, très facile à trouver, qui dure 12 minutes, qui s'appelle « L'île aux fleurs », d'un Brésilien qui s'appelle Furtado, et qui raconte justement la tomate de M. Suzuki sur un champ au Brésil, qui termine dans une décharge qui s'appelle l'île aux fleurs, qui n'est même pas mangée par des cochons, parce qu'elle n'est pas bonne, mais qui est mangée par des pauvres qui viennent manger après les cochons sur l'île. C'est impressionnant, mais c'est vraiment ce que vous dites, cette chaîne qu'on oublie souvent et qui est racontée de manière à la fois dramatique et en même temps forte, quoi, dans ce film. Et est-ce que les notions d'identité culinaire ont encore un sens aujourd'hui, justement avec un peu partout cette possibilité qu'on a de goûter toutes les cuisines qui viennent du monde entier? Est-ce que cette segmentation d'identité culinaire un peu partout a encore un sens? La question retombe sur Gilles. Allez-y, Gabriel. Alors, je dirais pas identité, parce que j'ai du mal avec ce mot, j'ai beaucoup creusé ça dans mes travaux de recherche, mais je dirais plutôt culture culinaire, ça oui. Et ça, effectivement, c'est quand même assez présent, je pense, encore aujourd'hui. Moi, j'en parle dans cette bande dessinée, donc La fable du centaure, qui raconte l'histoire d'un petit centaure dont le père est un cheval et la mère est une humaine. Et donc, il y a au tout début des disputes terribles, justement, entre les deux familles et puis les deux parents pour se dire, mais quel régime alimentaire est-ce qu'on va lui donner? Est-ce qu'on va lui donner de l'avoine, du foin, enfin voilà, ou est-ce qu'on va lui donner des petits pots? Et donc, alors, justement, j'ai résolu la question en montrant que ils vont hybrider, donc ils vont mélanger ces deux cultures, et justement, c'est ça qui va donner des pouvoirs magiques et donc une énergie surhumaine à cette jeune centaure. Voilà, et c'est justement ce melting pot de ces cultures culinaires qui lui permettent justement de pouvoir se trouver. Donc oui, c'est très présent, mais ce qui est intéressant, c'est de créer des échos, et on voit bien qu'on est à l'heure des échos. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Gilles ? Oui, moi j'ai le souvenir d'un repas qu'on avait fait avec des étudiants de licence dans une pizzeria du Panthéon. Et au cours du repas, il y a un Américain qui faisait partie qui était dans la classe cette année-là, qui se lève et qui dit, c'était un restaurant italien, qu'on mangeait une pizza, qui se lève et qui dit, ce n'est pas une pizza, c'est pas la bonne, c'est pas la vraie. Et donc il y avait aussi des Italiens qui étaient là, donc ça a failli se tourner en pugilat. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que ce jeune homme, il avait traversé l'Atlantique pour se rendre compte qu'au fond, ce qu'il croyait être le plat de Chicago, inventé à Chicago, parce qu'il nous a raconté toute une histoire d'invention là-bas qu'il avait inventé en quelque sorte, finalement, il était passé, quoi. Et aujourd'hui,
en dehors du mot qui renvoie effectivement à l'italien et au grec, hein, parce que qui d'entre nous pourrait dire que la pizza qu'il mange est italienne? D'ailleurs, est-ce que ça a du sens, hein? C'est même pas sûr. Non, je crois que la circulation des plats grâce à l'industrie depuis 40 ans, plutôt 40 ans, 40-50 ans, elle a tendance à uniformiser et à gommer les cultures. Quel est celui qui mange un faux cambodgien ou un vietnamien va se dire, oui, attention, là, je mange du vietnamien, donc je dois... Non, ça n'a pas de sens. Le temps, finalement, va faire oublier le fait que, eh bien, le haricot que nous mettons dans notre cassoulet à Toulouse, il est dans le cassoulet que depuis deux siècles, trois siècles, hein, et que la tomate, qui est aujourd'hui un des légumes les plus consommés dans le monde, était une fleur d'ornement au XVIIIe siècle. Christophe. Et pour prolonger, effectivement, ce rappel que Virgile est fondamental. La cuisine est une construction permanente. Donc, et tant mieux, il n'y a rien de figé. C'est bien pour ça aussi qu'on peut prétendre à une forme d'art culinaire, puisque c'est une activité bien sûr technique, mais aussi qui peut être largement artistique. Et donc, en mouvance permanente, qui s'imprègne d'environnements divers, d'origine géographique et d'une histoire particulière, donc c'est toujours un peu... dommage et un peu bête, disons le mot, d'avoir des crispations sur des, effectivement, comme tu viens de dire, sur des recettes, sur des... Et ça, c'est systématique. C'est-à-dire que, et c'est un, comme j'aime bien un peu provoquer, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles je m'amuse, avec lesquelles je m'amuse notamment sur les réseaux, parce que ça marche à tous les coups. Vous allez dans n'importe quel restaurant, vous prenez une recette étiquetée traditionnelle et vous la postez, et vous êtes sûr que dans la seconde, quelqu'un va vous dire, mais c'est pas, vous dites, ça, c'est une salade niçoise, et dans la seconde, quelqu'un vous dit, mais c'est pas ça, une niçoise. Enfin, il n'y a pas ça où vous postez des carbonara et vous avez 150 personnes qui vont dire « mais il y a de la crème là, dans la photo, je vois de la crème ». La carbonara est une source de conflit donc, très très forte. Et donc on sent bien qu'il y a une espèce de crispation immédiate qui sont des crispations totalement stupides, au-delà du fait, le fait de se crisper déjà est un peu stupide, et en fait l'argumentaire derrière est tout aussi stupide, historiquement, géographiquement, c'est sans fondement. C'est-à-dire qu'on peut, si on fouille un peu... les grimoires historiques, on va trouver des recettes d'il y a trois siècles de carbonara avec de la crème, et puis on va trouver peut-être une trois ans plus tard sans crème. Et pour la niçoise, on va trouver des centaines de recettes différentes, laquelle est la bonne, laquelle est estampillée. Et donc ça n'a pas de sens. Après, par contre, n'empêche qu'on peut se poser la question, mais alors du coup, c'est quoi une salade niçoise et c'est quoi une carbonara? Du coup, si on peut faire ce qu'on veut. Ça veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est vrai qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait l'identité, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on va reconnaître ce plat. Ou pas. Et là, je suis prêt à ce qu'il y ait des discussions, oui. Mais la frontière peut être assez intéressante. Vous l'avez dit, Christophe, la cuisine, ça n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue tout le temps, culturellement. Alors justement, si on se projette vers ces évolutions, est-ce qu'on va attendre, on doit attendre de nos assiettes, dans nos assiettes des révolutions dans les années qui viennent, ou est-ce que ce sera beaucoup plus subtil, beaucoup plus léger, voire quasiment invisible à l'œil nu, ce qui va se passer dans nos assiettes bientôt? Alors, j'ai le micro, je vais le rendre tout de suite. Mais là, sur ce mot révolution, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de révolution en alimentation ou en cuisine. Ça n'existe pas, les révolutions. Il y a des évolutions lentes. Il n'y a pas de rupture. J'ai pas d'exemple de rupture. L'assiette du futur ne sera pas une assiette de rupture. On peut essayer d'en trouver techniquement. Il y a des nouveaux outils parfois qui apparaissent. Je sais pas, le four à micro-ondes est un nouvel outil. Effectivement, il y a un moment, il est arrivé dans les foyers. Est-ce que ça a changé de manière radicale notre manière de consommer? Non, absolument pas. Il y a des évolutions qui se font au fur et à mesure, de manière plus ou moins rapide, dans différents endroits, selon le contexte social, le contexte géographique, etc. Mais je ne crois pas à cette notion de révolution dans l'alimentation. Gilles? C'est normal, Jacques-Christophe, tu n'as pas fait de sciences sociales. Pour moi, la vraie révolution que nous vivons, qui est peut-être même encore plus fondamentale que le néolithique, c'est la possibilité qu'on a maintenant de fabriquer de l'alimentation sans agriculture. Voilà, ça, c'est, on ne va pas me dire que ce n'est pas une révolution. Est-ce qu'on peut donner des exemples, Gilles? Oui, c'est tout ce qui est fabriqué dans des bioréacteurs à partir de cellules souches qui sont prises sur des animaux, voire même des végétaux, je crois, parce qu'on commence à savoir faire des choses comme ça.
Voilà. Et donc, qu'on commence à commercialiser hein, dans les, par le hamburger, parce que le hamburger, c'est justement quelque chose qui a déjà franchi l'Atlantique du côté du 19e siècle, du côté allemand vers les États-Unis, et qui l'ont mondialisé, et qui en ont fait un produit phare. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas trop pourquoi, finalement, ça marche bien, le hamburger. Mais je pense que ça marche parce que on apprend aux enfants à manger de la viande avec des steaks hachés. Voilà. Et qu'au fond, la viande du steak haché dans un truc mou, dans les mains, comme ça, c'est quelque chose qui est un peu régressif et qui va très bien avec la nourriture des gens seuls, bon, abandonnés, des autres, ou une nourriture, vous voyez, de compensation. Et donc, ces produits-là qui viennent du bioréacteur, ben oui, ils vont arriver dans les années qui viennent et ils vont complètement changer notre rapport. Et puis, j'ai vu la semaine dernière, dans un congrès à Paris, un jeune homme qui est venu nous montrer un robot qu'il a imaginé, un ingénieur 33 ans par là, qui est venu montrer un robot qui peut fabriquer des plats. Bon, on a vu et goûté 300 plats. Il y a 300 recettes qu'il a mis dans un logiciel. Et donc, il met évidemment des ingrédients en betterave rouge, je ne sais pas quoi. Et puis, on tape le plat. Et 2 minutes après avoir commandé, on a un plat dans une espèce de bol en carton, là. Hein, et on mange ça et c'est bon. Mais c'est bon. Et il y a des gens qui disent, mais oui, moi, quand je travaille dans toute la journée dans mon ordinateur, voilà, je n'ai pas envie de voir les autres. Morgane, justement, alors, vous qui êtes une des premières concernées dans l'histoire, vous allez devoir quitter la conversation, vous allez être remplacée par un robot. C'est terrible. Comment vous vous projetez, vous, justement, en tant que professionnel dans ce futur de l'assiette, dans votre esprit à vous, il a quel visage, cette assiette du futur, à laquelle visage Alors, je pense de nouveau qu'il faut que cette assiette du futur soit raisonnée parce qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'on va aller vers des choses plus locales, bio dans la mesure du possible. J'ai l'impression qu'on cuisine de plus en plus. On est plus proche de nos producteurs, comme tu le disais tout à l'heure. Je crois que c'est essentiel d'aller vers quelque chose d'effectivement local. Pour moi, l'assiette du futur, ce sera ça. Je vois pas autre chose de possible. Donc, une consommation limitée de bœuf, de poisson, voilà. On mangera de tout. Mais avec plus de variété et peut-être plus de céréales et très bien, ça me plaît plus que les robots déjà, je vous le dis, ça me fait moins peur. Gabriel, dans ce livre avec Guillaume Gomez, vous évoquez à un moment justement cette notion d'hybridation qui vous est chère et que d'ailleurs on peut peut-être développer un tout petit peu, mais la nécessité d'hybrider non pas uniquement ce qui se passe dans l'assiette, mais ce qui se passe aussi, tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire notamment les métiers qui interviennent dans cette chaîne invisible qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors effectivement, je vais dire quelques mots de l'hybridation, qui est mon grand thème de recherche en philosophie depuis de très nombreuses années. Alors l'hybridation, pour la définir très, très rapidement, c'est le mariage improbable. C'est-à-dire que c'est le fait de mettre ensemble des choses, des personnes, des activités, des ingrédients, des matériaux, des usages, des services, des produits, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, mais qui justement mis ensemble permettent de créer quelque chose de nouveau. Un tiers lieu, un tiers matériau, un tiers service, un tiers usage, etc., etc. Alors moi justement, tous mes travaux de recherche portent sur le fait qu'on voit bien autour de nous qu'il y a plein de petits signaux faibles d'hybridation. On voit par exemple se développer le co-living. À l'échelle d'un immeuble, les habitants vont partager une buanderie, une salle de sport, une voiture, une chambre d'amis. Voilà. Bon, on voit à l'échelle des objets, notre téléphone n'est plus seulement un téléphone, c'est aussi un scanner, une radio, une télévision. On voit à l'échelle des villes, du fait de la prise de conscience écologique, il y a de plus en plus de projets de végétalisation, des fermes urbaines, des potagers.
Donc si la frontière avant entre ville et campagne était très nette, on voit qu'il y a maintenant une forme d'hybridation entre les deux. Et puis on le voit aussi à l'échelle des métiers. Avant, un cuisinier, c'est un cuisinier. Bon, là, c'est intéressant, on voit des cuisiniers éleveurs, des cuisiniers maraîchers, des cuisiniers pêcheurs. On voit, par exemple, Pia Leone, si je ne me trompe pas, justement, un restaurant où là, c'est donc au Pérou, qui est à la fois, qui est à la fois un jardin, puis un centre de recherche, et puis également une sorte un peu de bibliothèque, si j'ai bien compris, des terroirs. Hein. Et des produits justement locaux. Donc c'est un restaurant, centre de recherche, potager, enfin bon, donc c'est hybride. Voilà, ça sort des cases. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que dans cette hybridation des métiers, ça peut provoquer justement des choses nouvelles. Tout mon propos, c'est de voir comment repenser peut-être le restaurant, voilà, et peut-être faire en sorte qu'au sein d'un territoire, un restaurant soit plus seulement un restaurant, mais peut-être qu'il fasse des ponts entre l'école qui est à côté, entre la maison de retraite qui est à côté, entre le musée qui est à côté. Enfin voilà, comment faire des mariages improbables justement pour pouvoir repenser, recréer du lien. Voilà, nous les êtres humains adorons ranger les choses dans des cases, et donc à force de ranger les choses et les gens dans des cases, eh bien on crée des fractures dans notre société. Alors il y a les agriculteurs, voilà, puis il y a les jeunes, il y a les personnes âgées, il y a les start-uppers, il y a les artisans. Bon. Voilà. On divise le corps citoyen en morceaux et on crée du coup des frontières artificielles entre eux, entre les choses, hein, entre les métiers, entre les secteurs. Et donc on crée des fractures. Donc ça vient de là. Voilà. Donc il faut penser les choses autrement, il faut apprendre à hybrider et justement recréer, retisser des ponts entre les choses, entre les gens, entre les métiers, entre les générations. Voilà. Par exemple, un exemple très très concret, mais je travaille beaucoup sur la question des maisons de retraite. On ne peut plus continuer à penser les maisons de retraite comme ça, comme des mouroirs. Même les maisons de retraite que j'ai visitées les plus extraordinaires ont toujours le sujet de la nourriture. Parce que il faut que ça passe avec le visa, hygiène. Et donc du coup, par exemple, dans une maison de retraite, des personnes âgées n'ont pas le droit de faire de la cuisine et de préparer elles-mêmes le repas. Parce que c'est pas visé avec le tampon, administration, hygiène. Comment est-ce qu'on va justement arrêter avec toutes ces bêtises, ces cases, voilà, et quand est-ce que justement on va pouvoir, encore une fois, créer ces ponts entre ces différents mondes. Je pense que le jour où on imaginera des maisons de retraite en partenariat avec des écoles de cuisine, ou autres, voilà, il y a peut-être justement de nouveaux mondes qui pourront être imaginés. Voilà, c'est ça l'hybridation. Gilles ? Oui. Sur la cuisine, je voudrais peut-être préciser quelque chose, parce qu'on a la chance d'avoir une cuisinière ici, et puis que certains d'entre nous sont cuisiniers, et même s'ils mangent, s'ils s'alimentent avec des robots. Je rappelle quand même que dans la libération de la femme, un grand mouvement a été le Salon des Arts Ménagers, qui était à l'époque inauguré par le président de la République dans les années 50. Hein. Et que ces espèces de moteurs qu'on appelait des robots, hein, on leur avait donné le nom de la Vierge Marie, parce que le robot Marie, c'était évidemment celui qui, comme la servante du Seigneur, allait aider toutes ces pauvres femmes qui étaient assignées à résidence en cuisine à se libérer pour aller travailler en usine. Donc le robot, en fait, la cuisine, c'est quand même quelque chose d'assez... qui a changé de statut. C'est-à-dire que vous, quand vous parlez de votre cuisine, c'est évidemment votre travail, et puis même il y a même quelque chose de plus, parce que vous êtes dans un métier vocationnel. Mais il y a des gens pour qui la cuisine, c'est une corvée, pour d'autres, c'est un loisir. Hein, le statut est différent. Hein, regardez la différence entre la cuisine qui est faite par la maman pour les enfants en semaine, hein, qui est franchement de la corvée, mais parfois vous avez des mères qui aiment aussi nourrir leurs enfants et faire de la cuisine très bien, même rapide. Enfin, j'aime bien dire que les Français ont découvert la cuisine avec le Covid, n'est-ce pas, hein, vous savez tout ça, mais que quand même dans les enquêtes, la marque préférée des Français, c'est Picard surgelé. Donc, cherchez l'erreur, hein. Bon, quand même, ça reste quand même assez modeste, même si, c'est vrai, chez Picard, on vend des produits qui sont aussi à transformer, ça se fait. Voilà, donc je crois que le mot cuisine, c'est un mot qui est quand même assez piège. Hein. Il faut faire attention de voir finalement d'où on en parle. Et effectivement, le lieu de par essence de l'hybridation dans un espace domestique, c'est quand même la cuisine souvent. Hein. Voilà. Christophe ? Je ne sais plus quelle était la question.
Je l'ai perdu entre temps, mais c'est pas grave, j'en ai plein d'autres des questions. Sur cette assiette du futur, puisque je vous fais reprendre votre casquette de physiologiste. Est-ce qu'on imagine des nouvelles molécules qui vont rentrer dans notre assiette, ou est-ce que là encore, c'est du fantasme un peu science-fictionnel de se dire oui, la cuisine de demain sera quelque chose de complètement créé biologiquement? Il y a deux manières de voir les choses. Il y a la manière technique, effectivement, c'est un peu ce que disait Gilles sur le steak ou la viande in vitro, qui est une rupture technologique, mais quand je disais qu'il n'y a pas l'impact, si j'ai mon burger avec mon steak dedans, je le mange, je ne sais pas si ça a été fait par une entreprise ou si ça sort d'un animal, donc pour moi il n'y a pas de différence. Il peut y en avoir une si je pense mon steak. Effectivement, je me dis, mais il vient d'où? Et là, si on me raconte, si on me fait le discours, on me dit, il a été produit grâce à une culture cellulaire ou il vient d'une vache, ça fait une différence. Mais en tant que tel, l'objet n'est pas différent. C'est ça aussi qui fait toute la difficulté du sujet entre tout ce qu'on appelle de synthèse et tout ce qui est étiqueté naturel. Si je prends un exemple très concret d'une aromatisation d'une glace, je vais avoir deux cas de figure, une glace à la vanille, on va me proposer une glace à la vanille avec vraiment de la vanille dedans. Et puis, on peut m'en proposer une avec de la vanilline, éventuellement de vanilline de synthèse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'industrie chimique est capable de prendre du bois et avec une réaction de chimie organique appropriée à partir du bois, en le faisant un peu cramer, grosso modo, et après en isolant les molécules et en faisant du fractionnement, on récupère de la vanilline. Cette vanilline est exactement la même que celle qu'on trouve dans la vanille. C'est une molécule chimique, on peut pas, son histoire, pour le coup, n'a aucune influence sur le produit final. Donc, à partir de là, cette vanilline totalement de synthèse que j'ai dans ma glace, c'est la même. Je ne peux pas la distinguer, même avec les outils les plus puissants que je puisse imaginer. Donc la question se pose, est-ce que je l'accepte ou pas? Là, en l'occurrence, je l'accepte parce que je sais que c'est une molécule qui existe dans la nature. Donc la vraie rupture va éventuellement exister si on me propose de manger quelque chose qui n'existe pas dans la nature, et que là, j'ai vraiment réussi à synthétiser avec... Et c'est ce qu'on fait, par exemple, avec certains édulcorants. Certains édulcorants... Ceux qui sont naturels, par exemple, c'est de la stevia. Enfin, la stevia ou le rébodioxyde A qui est extrait de la stevia, c'est un polysaccharide. Il existe dans les feuilles de stevia, c'est ce qui donne le goût sucré de la stevia. On peut l'isoler, s'en servir comme édulcorant. Tout va bien, c'est naturel. Enfin, quand je dis tout va bien, c'est naturel, non. C'est ce qu'on imagine, mais pas forcément, justement. Ça peut être tout va mal, c'est naturel. Parce que les poisons les plus violents sont dans la nature. Et on met au pot aussi, de manière totalement synthétique, fabriquer effectivement un hybride entre une protéine et un sucre. Le mot est sorti tout seul, et une glycoprotéine qui va avoir un pouvoir sucrant extraordinaire, c'est ce qu'on fait, et qu'on va, du coup, bien sûr, pour avoir le droit de l'utiliser dans l'alimentation, et bien là, il va falloir passer tout un tas de tests de toxicologie avec des modèles animaux sur des années et des années, donc ça ne concerne que des molécules qui vont avoir un fort pouvoir commercial derrière. Donc les édulcorants, ça marche bien, parce qu'on va injecter des millions d'euros pour pouvoir valider les tests, il n'y a que les gros agro-industriels que tu as cités qui vont être capables de financer ce type de test pour, in fine, avoir cette autorisation de mise sur le marché de cette molécule qui n'existe pas, donc il faut bien à un moment prouver qu'elle est inoffensive. Et là, on est sur des débats qui peuvent effectivement, qui sont intéressants, parce que d'un côté, on a envie de se protéger en disant, mais qu'est-ce que ce truc-là qu'on a fabriqué, qu'on a quand même envie de savoir si c'est... Mais en même temps, si on est un peu honnête, ce test-là, il faudrait peut-être aussi le faire en fait sur toutes les molécules. C'est-à-dire que quand je prends une fraise, dedans, il y a des tas de composés qui n'ont jamais testé individuellement quant à leur impact sur ma santé. Si ça se trouve dans la fraise, il y a des molécules qui ne passeraient pas le test de toxicologie en tant que molécule isolée. C'est tout à fait possible. Donc, où est-ce qu'on met l'artificiel, où est-ce qu'on met le naturel là-dedans? Et une fois qu'on a trouvé une frontière, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Enfin, c'est des sujets qui sont forcément intéressants. Gilles? Sur ce qu'on appelle le nouveau, enfin la nouveauté, parce que on sent que c'est vraiment le débat de ce soir, hein, le futur dans nos assiettes. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus d'assiettes, donc on a déjà la moitié de la question qui a disparu. Et le futur, c'est pourquoi? Parce que c'est l'angoisse, hein, évidemment. On a peur de la guerre en Ukraine, etc. Et puis la sécheresse, etc. Bon, donc ça c'est l'angoisse. Mais en fait, en anthropologie, en quelque sorte, la nouveauté, c'est tout simplement l'adaptation d'une génération, voilà, à ce qu'elle est, à son histoire, et qui se fabrique
une alimentation qui lui ressemble. En fait, chaque société et à chaque époque de l'histoire, on crée quelque chose. Et on fait du nouveau parce qu'il y a tout simplement des jeunes qui, à un moment, disent au vieux, la blanquette de veau, non, c'est ringard. Et puis, en plus, vous faites souffrir les animaux, et puis vous faites grossir, et puis je sais pas c'est quoi. Pas cool. Voilà. Donc, en fait, c'est les jeunes qui sont emmerdants et qui finalement, poussent les autres à changer. Non, mais c'est important d'avoir ça en tête et de se dire, au fond, que oui, il y a des constantes, mais qu'aujourd'hui, avec les problèmes que nous avons, et en particulier donc, tout ce qui est lié au changement climatique, eh bien, on va être obligé de faire une alimentation qui ressemble aux réponses que l'on veut donner à ce changement. Et donc, ça va passer par un certain nombre de changements. Ce qui est intéressant, c'est qu'on attend beaucoup des scientifiques par rapport à ça. Parce que quand tu parles des changements, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors, on se tourne vers les scientifiques, alors c'est quoi votre avis ? Sauf que les domaines en question, c'est l'environnement, l'écologie, c'est pas pour rien que ce sont quasiment que des collectifs qui répondent à ça, parce que c'est bigrement compliqué. La nutrition, on n'y comprend rien. Et la preuve qu'on n'y comprend rien, on comprend plein de choses, mais surtout, il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas. Et la preuve, entre guillemets, c'est qu'on est justement sur une discipline scientifique dans laquelle les discours évoluent en permanence de manière infiniment plus rapide qu'en physique, par exemple. La physique qu'on apprenait il y a 2 siècles reste valable dans sa plus grande partie. Ce qui n'est pas du tout le cas de la physiologie et de la nutrition. Les discours qu'on avait sur le gras, par exemple, il y a 20 ans, n'ont rien à voir avec le discours qu'on a sur le gras aujourd'hui. Parce qu'on a compris beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas à l'époque. Du coup, ça crée une situation difficile pour les scientifiques, parce que quand on arrive avec un message, c'est pas compliqué de nous sortir des exemples. Enfin, voilà ce qui était écrit dans les journaux il y a 20 ans, on vous a cru, c'était n'importe quoi. Donc il faut être capable, être suffisamment pédagogique et en même temps humble pour dire « mais c'est comme ça que la science se fabrique ». C'est en permanence. On ne prétend pas en tant que scientifique détenir la vérité. On détient ce qui est sans doute le plus proche de ce qu'on peut estimer être la vérité à un moment donné. C'est tout. Et à part parce qu'il y a des outils, parce qu'il y a des méthodes qui sont mises en place, qui fait que c'est ce en quoi on peut faire le plus confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur derrière tout ça, mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc il faut se raccrocher à ça quand même. Gabriel. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Gilles à l'instant sur les jeunes. Parce qu'on attend des jeunes de la remise en question, enfin, ils sont là pour ça, mais on attend des personnes âgées de la transmission, et ils sont là pour ça aussi. Et il y a un vrai sujet, je pense, d'éducation à l'alimentation et puis d'éducation à la cuisine. Enfin, c'est le rôle des parents, des grands-parents, d'apprendre à leurs enfants, à leurs petits-enfants à cuisiner. Et voilà, est-ce que on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut que on parlait tout à l'heure effectivement d'identité, de culture. Ça passe par, c'est l'héritage. Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants, qu'est-ce qu'on transmet à ses petits-enfants. Enfin, ça c'est un vrai sujet. Ça, pour le coup, dans le livre que j'ai coécrit avec Guillaume Gomez. Alors je m'en fais un peu son porte-parole, parce qu'en tout cas, ce sont ses propos à lui. Il travaille beaucoup sur ce sujet-là, de comment... Alors évidemment, c'est le rôle des parents, mais si la famille ne le fait pas, alors c'est le rôle de l'école. Comment justement, peut-être on donne quelques cours de cuisine à l'école, on fait un petit potager dans la cour de récréation, enfin voilà, pour expliquer aux enfants que les carottes râpées ne poussent pas dans les placards et que il y a quelque chose à faire. Donc évidemment, tout petit à l'école, et Guillaume Gomez a une très belle phrase, il dit il ne s'agit pas de transformer les élèves en cuisiniers, mais tout simplement en meilleurs citoyens, parce que ils sauront effectivement le sens du produit, le sens, je trouve que c'est intéressant, la cuisine comme acte de civilisation, premièrement. Et puis après, il y a aussi tout ce propos-là par rapport aux étudiants. Guillaume Gomez dit, je rencontre des étudiants, ils disent, mais on cuisine pas, ça coûte trop cher, on préfère acheter une pizza surgelée, Il dit, parce que les étudiants disent, on n'a pas le temps, et puis ça coûte trop cher. Il dit, vous n'avez pas le temps, vous passez vos soirées à regarder des séries télévisées débiles, et donc vous n'avez pas le temps de cuisiner. Donc oui, effectivement, premièrement. Et deuxièmement, on dit, mais c'est pas du tout le sujet financier. Vous vous mettez à 8 ou 9 pour acheter des ingrédients pour faire un pot-au-feu. En plus, c'est sympa parce que vous le faites ensemble. Évidemment, dans les chambres de bonne, c'est pas forcément facile. Mais si chacun s'occupe d'un des trucs à cuire, ça peut se faire. Et donc, c'est convivial. Et puis après, des petits tupperwares, petites portions. Et puis chacun peut repartir avec. Donc en plus, c'est une activité ludique, sympa à faire ensemble. Donc voilà, c'est ce vrai sujet de l'éducation à la cuisine. C'est un sujet de société. Il y a un sujet de politique publique éducative, mais après, par rapport aux étudiants, puis même encore après, au-delà, dans l'entreprise, à mettre en œuvre.
Là, c'est des sujets très, très tabous. Il y a, c'est quand même, là, il y a dans la salle une dame qui a mis sur Internet les recettes de sa grand-mère, parce que sa mère, probablement, ne lui avait pas transmise, et sur un site qui s'appelle Marmiton. Donc, c'est quand même bien cette question de transmission. Bien sûr qu'elle peut se faire ou elle doit se faire dans les familles, mais les familles, elles font ce qu'elles veulent. Et comme c'est un peu le bazar dans les familles en ce moment, voilà, que les parents, les grands-parents n'ont pas le temps, donc ça ne se transmet pas. Voilà, donc la question, c'est, il y a des familles où ça se transmet, et ça c'est très bien, les gens vont aller au restaurant, on voit effectivement, et pas forcément les riches, hein. Les familles plus aisées financièrement ne sont pas celles qui vont systématiquement au restaurant et mangent des bonnes choses. Ça n'a rien à voir, hein. C'est parce que c'est culturel. Et puis, il y a une grande majorité de gens à qui on ne transmet rien, voilà, et qui même à l'école, ne sont pas outillés pour recevoir ce qu'on leur transmettrait. Et puis, alors, peut-être qu'il y a une chose qui est... moi, il me semble une erreur de Guillaume Gomez vis-à-vis des jeunes, c'est qu'un jeune entre 12, enfin disons préadolescence, hein, entre 11 et 11 ans et 28 ans, il entre dans une phase de sa vie qui est une phase de transgression. Voilà, préadolescence, adolescence, post-adolescence. Et donc, il doit quitter le nid douillet des parents pour aller dans le grand bain de l'aventure. Et ça se passe par des transgressions. Moi, j'ai quand même constaté chez mes étudiants, à l'époque où j'enseignais en prépa, je faisais des petites enquêtes comme ça, tous les étudiants qui fumaient avaient des mères insupportables. Peut-être que je voyais ça parce que je convoquais les parents pour voir un peu, mon fils ici, mon fils ça, lâchez-le, votre fils, il fume parce que, voilà. Et puis, il boit aussi, vous voyez, parce que la jeunesse, c'est l'âge de la transgression. Voilà, on va pas dire à des adolescents qui s'agglutinent dans des bars, il y en a beaucoup là autour de Jussieu, d'aller cuisiner dans leur chambre de bonne et puis de mettre ça dans des barquettes. Et bien sûr qu'il y en a qui le font, mais c'est pas l'âge. Hein. Mais en revanche, quand tu arriveras à la 8e merveille du monde, vers 30, alors là, ils repartiront chez le bio, ils téléphoneront à maman. Comment, maman, tu faisais la crème brûlée que j'aimais tant? Et la mère, tout d'un coup, elle réalise que, ben oui, ce qu'elle a transmis revient. Hein, je crois que c'est important aussi de savoir qu'on a des phases dans la vie comme ça au cours desquelles on a des comportements alimentaires qui sont pas les mêmes. Hein. Mais est-ce que c'est pas en train d'évoluer ça, justement, ce rapport transgressif à la cuisine? Est-ce que les générations futures ne sont pas un peu plus sensibles au rôle et au sens de ce qu'on mange? Ben, oui, ben dans les universités, oui. Par exemple, on a vu à l'Institut de géographie, il y a une quinzaine d'années, alors qu'il y avait à l'époque, dans un rayon de 150 mètres, il y avait deux fast-food américains qui ont disparu. Hein, on a vu des étudiants monter une AMAP. Vous voyez? Et je me rappelle, c'était au tout début des téléphones portables. Alors, ils recevaient le jeudi soir, là, il y avait la map. Là. Alors, il y avait un sac avec des poireaux qui dépassaient, vous voyez. Et puis, on photographiait le sac en nous disant, monsieur, qu'est-ce que c'est ça et comment on cuisine? Alors, je disais, allez sur Marmiton. Donc, c'est comme ça qu'ils apprenaient à cuisiner quelque chose. Voilà, mais ça, c'est des étudiants éduqués. Voilà, ceux qui font la foire au Stade de France, je suis pas sûr que, qui aiment la bière, les machins, je suis pas sûr que ces gens-là, la cuisine, ce soit leur... Je pense qu'il faut aussi imaginer qu'une société, c'est très hétérogène. Voilà, bien sûr qu'il y a des jeunes qui vont changer le monde et puis qui ont raison et qui vont changer la cuisine. Mais vous avez beaucoup de gens qui sont quand même menés par le bout du nez, par la publicité. Voilà. Quand on dit, par exemple, on a fait des semaines sur le goût, là. Vous savez qu'entre parenthèses, c'était financé par l'industrie du sucre, mais bon, passons. On fait des semaines du goût à l'école, et puis les gamins, quand ils rentrent à 4 heures de l'après-midi chez eux, hein, il y a de la publicité, le robinet publicitaire, et puis dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut qui a été acheté au supermarché. Donc, vous pouvez faire toutes les semaines de goût que vous voulez, si en famille ça ne suffit pas, ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est des sujets très compliqués, cette transmission. Gabriel ? Ouais, je voulais juste réagir parce que
Oui, évidemment, là, vous avez décrit là, effectivement, des jeunes très différents. Mais justement, c'est là où je trouve que c'est la force de la nourriture. C'est que c'est l'un des rares éléments qui soit justement un élément fédérateur. Voilà. Il y a des gens qui sont radicalement différents, qui n'ont vraiment mais rien à voir ensemble. Mais autour d'une table, la nourriture, c'est quand même quelque chose de fédérateur. Il y a très, très peu de thèmes comme ça fédérateurs au sein de la société. Bon, alors, il y a un peu le sport, et encore. La culture, on peut, voilà, ça dépend de quelle culture, enfin, on peut quand même se retrouver quand même, voilà, le beau, voilà, une exposition, voilà. Bon, voilà. Et la nourriture, c'est le premier thème fédérateur. C'est vrai que, effectivement, en travaillant sur la question de l'hybridation et le mariage improbable, et comment est-ce qu'on fait travailler des gens ensemble qui ont vraiment mais rien à voir les uns avec les autres, effectivement, c'est avec ces petits éléments-là, et notamment la question de la nourriture, comment est-ce qu'on recrée du lien entre les générations, les personnes âgées, les jeunes, voilà. Avec l'intergénérationnel, là, la nourriture a un rôle à jouer. Donc je pense qu'elle a... évidemment, c'est un élément civilisationnel, mais enfin, c'est un élément politique, de ce point de vue-là, enfin, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, remettre du lien dans la cité. J'aurais que Morgane, juste pour réagir sur cette idée de lien social de la cuisine, que je voyais opiner en écoutant Gabriel, cette fonction sociale de la cuisine, quand on est soi-même chef, cuisinier, j'imagine qu'elle est très importante. Elle est capitale. La cuisine, c'est du plaisir. C'est vrai que se retrouver autour d'une table, enfin, moi, c'est ce qui m'a fait choisir ce métier. C'est un plaisir d'avoir du monde autour d'une table et de se retrouver autour d'un plat et d'écarquiller les yeux parce que ça nous donne envie, parce qu'effectivement on va échanger, c'est un moment de partage et c'est fédérateur, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Et cette notion de plaisir, là, elle est pour moi hyper importante, elle est capitale même. Et pour la cuisine de demain, je pense qu'il faut que ce soit une cuisine plaisir aussi. Qu'elle soit moléculaire ou... Non, le plaisir, ça se mesure, effectivement. Ça peut être compliqué à mesurer, mais c'est bien que tu rappelles cette importance fondamentale dans la cuisine. On a démarré cette table ronde en rappelant la nécessité physiologique de se nourrir. Et j'avais alerté sur, effectivement, le fait que ce serait pas mal de rendre ça agréable. Quand on regarde les fameuses injonctions d'aujourd'hui, elles font quasiment systématiquement l'impasse sur le plaisir. C'est-à-dire que les slogans qu'on a en tête, les images marketing éventuellement de santé publique qui nous viennent, c'est les manger bouger, c'est les 5 fruits et légumes par jour, c'est les il faut manger bio, local, de saison. À chaque fois, on est sur le produit, on est sur le sourcing, on est sur une éthique. Il faut manger des Américains, quelqu'un comme Michael Pollan, un peu de tout. Alors, c'est tout à fait, il a raison, un peu de tout. Ça, on est dans des notions de frugalité, des notions de diversité, donc tout va bien. Et dans tout ça, dans tout ce discours-là, où manger vrai aussi, manger vrai, végétal, il y a tout un tas de slogans comme ça qu'on va trouver. Chacun y va un peu avec son slogan. Et on se dit, mais on est en train de parler du produit, de l'environnement, de l'écologie, et à quel moment on parle du plaisir là-dedans? Il y en a un seul slogan comme ça que je peux citer qui parle de plaisir, c'est Slow Food. Slow Food, ils disent, il faut manger bon, propre et juste. C'est le bon en premier. Bon, propre et juste. C'est-à-dire que juste, il y a la notion d'éthique qui est dedans, le propre, on a l'écologie, mais avant tout, il faut que ce soit bon. Si c'est juste, propre et juste, ça tombe à l'eau. On ne peut pas tenir la route avec ça. Et c'est exactement ce qui va se passer dans les cantines. On peut faire tous les efforts qu'on veut. Recruter des nutritionnistes qui vont faire des tableaux Excel à n'en plus finir pour faire des menus nickel. Avec un sourcing, on va pouvoir afficher 50% bio à la cantine. En général, un bio qui n'est pas un vrai bio, mais ça sera un autre débat. Bref, on va faire tous les efforts sur le papier avec tous les chiffrages possibles et imaginables. Et in fine, tout va partir à la poubelle, dans les poubelles des cantines, parce que de toute façon, c'est dégueulasse. Donc, c'est éthique, responsable, tout ce qu'on veut, etc. Mais c'est pas mangé. Donc, à quoi ça sert? Et en fait, la priorité, elle est là. C'est-à-dire que je préfère largement une cantine avec un cuisinier qui aura peut-être pas encore eu la culture, la formation nécessaire, et qui va peut-être faire un sourcing qu'on va trouver discutable, mais que les gamins vont manger parce que ils sauront cuisiner et ils vont trouver ça bon. Et après, il y a une marge de progrès. Après, on va dire, bah là, ça serait bien tes tomates qui viennent du fin fond de l'Espagne, poussées ou de l'Espagne, c'est pas très grave. C'est plutôt si ça vient de Bretagne sous serre chauffée, c'est plus grave. Donc, vaut mieux manger non local quand c'est hors saison. Et il vaut mieux faire venir les tomates d'ailleurs que les faire venir de chez nous. Ça, c'est autre chose. Bref. Mais tout ça, ça peut se mesurer, etc. Mais dans tous les cas, la priorité, c'est il faut que ça soit bon. Si le reste ne sert à rien, si c'est pas bon. Donc c'est vraiment le.
C'est compliqué. Hein, alors, parce que moi, je vais en rajouter une couche, parce que justement, le plaisir à table, bon, j'ai deux choses à dire. La première, qui est que chaque année à Noël, dans les magazines, il y a des articles sur les gens qui angoissent à l'idée d'avoir à faire ce repas de Noël. Et d'ailleurs, qui prennent l'avion souvent, qui bottent en touche en disant, ben, je vais à Martinique, au moins là, je ne taperai pas la famille, la tribu, ou le petit merdeux qui veut absolument manger vegan, alors qu'on a fait une superbe dinde au marron. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui désunit, hein, il faut bien savoir. Et puis l'autre chose, c'est une expérience que j'ai faite il y a quelques temps, justement sur cette notion de plaisir. Deux collègues qui me disent, bon, alors tu es du Jura, il faut que tu me fasses les morilles aux mains jaunes, enfin bref, ils voudraient connaître un peu cette cuisine. Et puis je leur dis, ben voilà, bien sûr, je vais faire ça. Sauf que j'ai invité spécialement, pour savoir justement comment ça se passait, deux collègues qui se détestent. Mais ils ne le savaient pas, que je l'avais dit. Donc, quand le deuxième est arrivé, il dit « Ah bon, d'accord, ok. » Vous n'avez jamais mangé chez J'ai fumé. Venez. Et puis, donc le repas s'est bien passé. Tout de suite, on a bu du vin jaune. Donc là, on est passé au degré philosophique du symposium, vous voyez. Ça s'est été assez rapide. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai dit « Alors finalement, ce repas que tu as tant désiré, t'es content. » Salaud. Je me suis fait traiter de salaud alors que j'avais fait la meilleure cuisine possible et imaginable. Pourquoi ? Parce que en fait, elle a été incapable de les réunir. Alors même que nous avions tous les trois des choses communes à dire, d'ailleurs qu'on a partagées, mais ça n'est pas passé. Donc c'est pas simple. Donc ça réunit, c'est vrai, mais il faut quand même des conditions. Et puis, vous pouvez faire le meilleur repas du monde, vous pouvez, pour vos noces d'or, vos noces de diamant, de platine, aller n'importe où, chez Ducasse, si la belle-mère est insupportable, vous aurez, tout sera raté, quoi. Ou le beau-père, hein, c'est pareil, évidemment. Voilà, donc c'est compliqué, c'est une histoire de plaisir. Hein, je crois que, et puis le bon propre juste, moi, effectivement, je souscris tout à fait à cette idée, mais le bon, c'est aussi quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dépend de l'âge. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est pas bon, objectivement, quand on dit par exemple que le plat le plus consommé par les Français, c'est la pizza. Bon, pizza surgelée, 130 ans. Bon, objectivement, c'est pas bon. Mais ça doit être bon parce que quand même les gens en achètent. Donc c'est le bon, ça renvoie à une des notions en psychologie, de perception, et tout ça, et c'est très variable. On ne peut pas dire d'un produit qu'il est bon comme ça, objectivement. Scientifique, sciences sociales ne pensent pas comme ça. Est-ce qu'il faut, Gabriel, que le plaisir rentre dans l'hybridation, l'hybridation de cette assiette? Il faut que le plaisir fasse partie de la recette? Oui, bien sûr. Et vraiment, pour revenir à mes fameuses maisons de retraite, désolé, c'est pour l'obsession du moment, mais parce que pour moi, c'est tellement scandaleux ce qui se passe que voilà, il faut vraiment. C'est un vrai sujet de société. Effectivement, on sait que. On n'a plus d'excuses maintenant pour ne pas savoir justement à quel point. Quand on est une personne âgée, le dernier plaisir, c'est quand même celui de la nourriture. Et donc, d'ailleurs, c'est fou parce qu'on voit que des personnes âgées sont complètement dénutries et ne mangent pas quand elles, quand c'est pas bon, puis deux, quand elles sont seules, puis on voit bien que quand elles sont effectivement à plusieurs et quand, c'est bon. Elle mange. Effectivement, pour revenir à ce que disait Christophe, ça coûte toujours trop cher quand on jette la moitié à la poubelle ou les trois quarts. Donc effectivement, quitte à ce que ce soit effectivement, qu'il y ait un certain coût, merci. Il faut que, c'est trop dommage de tout jeter à la poubelle. Donc oui, évidemment, il y a un vrai sujet de plaisir. Puis je voulais revenir sur ce que disait Gilles sur la question effectivement de. Oui, c'est pas parce qu'il y a un repas que c'est totalement gagné, quoi, pour pouvoir effectivement réunir les gens. Alors, même si c'est la maxime du Club des Chefs, hein, qui dit que la politique divise les hommes, mais la table les réunit. Et donc, je trouve que c'est une belle phrase. Mais ce que je trouve intéressant, pour revenir justement sur le fameux repas de Noël, on a tous fait cette expérience, un repas de Noël, un anniversaire ou un mariage, où il y a 20 personnes, 50 personnes. Et en fait, on sort de ces moments avec un triste sentiment où on a l'impression d'avoir vu tout le monde et d'avoir vu personne. Parce que on est trop nombreux et que. Voilà. Et je pense que ce genre de repas, justement, nous rappelle que la relation, c'est d'abord la relation bilatérale. Voilà. Une relation avec une personne. Voilà.
Et je pense que justement, ces fameux collègues que vous n'aimez pas, bon, à se voir comme ça en groupe, voilà, c'est pas comme ça qu'on peut vraiment arriver à se rencontrer. Et quand il y a un sujet à traiter, notamment aussi en famille, c'est pas 5-6 autour de la table qu'on arrive à résoudre les problèmes. Donc le sujet, c'est effectivement ces fameux repas à deux, où là, on est dans l'authenticité d'une relation. Voilà, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est à creuser. Ben, nous, on l'a creusé, le repas à deux avec les étudiants, la première année que j'avais exploré ça, à l'époque où ça se faisait, maintenant c'est interdit, des caméras cachées dans des restaurants, le jour de la Saint-Valentin. Et alors, on avait fixé 3 caméras sur 3 tables, des jeunes qui étaient là, voilà. Et donc, on a regardé un peu comment ça se passait. Et ce qui était étonnant, c'est que, donc, ils se donnent à manger les uns les autres. Vous voyez, la béquille, vous voyez, elle goûte comme c'est bon. Alors, et puis, il y a eu une table où, en fait, le type n'a pas voulu manger. Non, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Et la fille s'est barrée. Voilà, la fille s'est barrée. Et c'est vrai que ça avait été intéressant de voir que, finalement, voilà, dans ce moment où finalement, on est dans une forme d'intimité, hein, où on partage très, très, très fortement les choses, eh ben, c'est pas évident. C'est pas évident que ça se construit aussi par des règles. Et d'ailleurs, les repas bourgeois des grands, de la grande époque du 19e siècle où les gens étaient placés en fonction de plein de choses, tout ça, c'était pour fixer des règles, justement, pour que la pièce de théâtre se déroule au mieux possible, hein, et qu'il n'y ait pas de coup de sang. Et on verra quelles seront les règles de l'assiette de demain. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette rencontre. Je pense qu'on peut vous applaudir pour toutes vos réponses.